Voilà. Hey les orques. Comment ça va? Rebonjour. Je dis rebonjour parce qu'on s'est vu ce matin. Mais bonjour à ceux qui ne m'ont pas encore vu. Bonjour à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. En rediffusion. On va continuer ce dessin. C'est cet arbre-là.
Hey! Ouh! Ouais, bah ça va, les deux messages sont arrivés en même temps, on se calme, on se calme! Bien manger? Estomac, merde. Non, moi ça va. Ça va, on a bien mangé. J'avais acheté des petites escalopes dans des petites. Comment ça s'appelle? C'est du poulet. C'est escalope du poulet, mais tu sais, en. Coupé en longueur là. Non, du. Juste du poulet. Tu peux avec de la crème et puis du riz. C'était bon. Petite sauce, riz complet. Riz complet, ouais, riz complet. C'est plus digeste. Ça va pas se voir. Tant pis. C'est un truc qui est pas trop compliqué à faire au crayon de couleur, mais. Bien, je me doute que ce stylo, ça allait pas donner pareil. Faire une lumière qui sort du. Qui sort d'un trou.
Plus c'est loin, plus c'est foncé. Là, à ce stade-là, je dirais pas forcément non. Ça dépend ce que j'ai besoin de faire passer devant, etc. Là, ça va plutôt être pour que les puits de jour se voient bien au niveau du ciel, etc. Je vais foncer un petit peu plus dans ces zones-là. Si je veux qu'il y ait une touffe de vert, une touffe d'herbe, de feuilles qui se voient mieux, je vais foncer derrière. Tu vois, en fait, selon ce que je veux faire passer devant ou derrière, je vais monter en valeur ou descendre en valeur selon ce qu'il y a besoin de faire. Donc c'est un petit jeu de je regarde l'écran et est-ce que ça se voit trop? Oui, ça se voit trop. Est-ce que ça fait trop touffe? Oui, ça fait trop touffe. Donc si ça fait trop touffe, bah, du coup je vais casser un peu la touffe en faisant des trucs un peu plus des trous par-ci par-là dans la touffe. Ça fasse un peu moins touffe, etc., etc. C'est un petit jeu de je regarde ce que ça fait et puis je corrige quoi. Ouais, c'est faut quand même qu'il y ait des branches qui passent aussi devant de temps en temps, donc qu'on puisse voir la lumière qui émane du phénix même devant la pierre blanche, il va falloir que la pierre soit moins blanche que ça du coup. Que si la pierre est aussi blanche que la lumière, le phénix va pas irradier beaucoup. Bon, la fontaine est censée être en forêt, donc je sais que c'est une fontaine blanche, mais bon, comme une limite dans le blanc. Hein. Ok, alors. Je pense que je peux cacher les gens en plus encore le château.
Et là, on va faire le contraire, je pense, justement. Comme ça, on va faire. Pour contraster un peu avec les branches qui sont quand même assez soutenues, on va faire en sorte que le château, derrière, on ne le voit presque pas. Il est tout juste suggéré, les couleurs sont assez pastel. C'est juste assez pour qu'on voit que c'est un château, quoi. Le château, non, bah, il m'a rien dit encore, je l'ai pas vu, hein. Mais il est assez ouvert à toutes mes suggestions d'habitude, et puis ça correspond au niveau de la carte, ça correspond avec le dessin, donc la fontaine est assez près du château. Il m'avait pas demandé les animaux au départ, je les ai dessinés parce qu'ils étaient dans l'histoire et que tu peux pas trouver Marie en forêt sans ses animaux. Petit côté Blanche-Neige là-dessus. C'est rigolo parce qu'à la fin elle s'en va avec son prince devant cette fontaine justement. Et donc elle dit au revoir à tous ses amis animaux de la forêt. Alors que son prince, ça fait des années qu'il se balade là, donc ils n'ont pas de raison de leur dire au revoir comme si on avait pu se revoir. Alors que le château est juste à côté de la forêt. Oui, alors qu'il n'y a pas besoin. Ok, alors.
Parce que si je fais comme ça d'un côté, faut que je fasse comme ça de l'autre, hein, on va pas faire... Attends, je me parle tout seul, là. J'entendais un bruit bizarre. Je crois que c'était la chatte qui grattait quelque part qui fallait pas. Non, ça va, elle est en train de gratter dans la litière. Enfin, j'espère. Je vérifie quand même. C'est bien ça. On dirait qu'elle est en train de chercher un truc dans la litière. Mon feu va bien pour l'instant, ça va. Ok,
va s'occuper des animaux qui sont devant maintenant. Place le prince avec les os. Ok. Donc, on va s'occuper de ces petits animaux qui sont là. On a quoi? On a un petit... comme on a dit l'autre jour. Petit mascasse. Cheval, il manque une oreille, ouais, c'est, je lui en mettrai après. C'est là, c'est vraiment juste les lignes. Pour mettre en place le truc, hein, c'est vraiment le minimum.
voir le Gugus. Thank you.
Voilà la suite. Réfléchis bien, Alan, parce que là au-dessus, t'as un trou, donc mais pas des troncs n'importe où.
Attends, faut que j'aille voir un truc. Tac. Tac. Là. Eh bien non. Strangely enough. Il n'y avait qu'une seule rue en l'air. Donc. Je l'ai laissé là où je l'ai mis, elle est très bien. J'ai un cheval blanc, ouais, classique. Le cheval blanc du prince. Déjà. Ah ouais, je vais peut-être aller voir mon feu en fait. Ça fait déjà une heure. La maison est à 19,4, on est bien là. Ça se passe, ça passe. Ça passe, oui, ça passe. Je suis en train de me dire que ce soir j'ai une réunion de l'amicale. Mais je vais pas pouvoir rester. Moi je voudrais travailler sur ce dessin. Parce que là, il est un peu mieux. Un peu mieux parti que il avait commencé.
rien, il va faire bon ce soir dans la maison. Bon, moi j'ai une réunion avec le professeur principal Daron hein, tout à l'heure. Alors, je te rassure, hein, c'est une réunion normale de où est-ce qu'on en est, etc. Ouais, ça va, il a 17 de moyenne un peu partout, sauf en sport, mais en sport on s'en fout. Sauf en musique, puisqu'il est pas très doué pour la musique. Ça je m'en fous aussi. Ouais. Ça va, ils bossent. On dirait pas comme ça. Alors je sais pas trop ce qu'ils leur font faire, parce que franchement ils bossent pas beaucoup à la maison, mais... peut-être des facilités, hein, j'en sais rien. Ouais, t'imagines en plus? S'il fallait gérer ça. Bon, ça va là-dessus, il se gère tout seul. Il fait la plupart de ses devoirs, il est fait en perm. Parce qu'ils sont quand même pas mal de perm, ces collégiens. Hein. Donc il en profite pour les faire en perm. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il fait toujours ses... Le peu qu'il lui reste à faire, il le fait le soir en montant, quand je l'envoie se coucher à 9h, là. Activité calme. En général, c'est là qu'ils font leurs devoirs. Hein. Enfin, que Aaron fait ses devoirs, parce qu'Alwyn, il les fait avant. Quand il les fait. Cinquième, le Aaron. Bon, faut que je vérifie la description de notre ami Julien ici présent. Je me rappelle plus les couleurs vestimentaires parce qu'il aime bien les couleurs un peu. Hein. Qu'on a sûrement du orange ou un truc comme ça, il me semble, qui traîne quelque part. Raphaël. Tac, non. Ah voilà, alors, paysage. Julien a des bottes en cuir, un pantalon violet clair, une ceinture grise. Ok. L'apparition d'un phénix bleu en guise de symbole des Torrels héros. Ok. Alors, il me semblait pourtant. Alors, attends, je regarde si je le vois quelque part. Ça, c'est la sorcière rouge. Ah voilà. Alors, mais sans s'en rendre compte. Ah bah c'est dès le début alors. Alors plus loin, pendant qu'elle balayait, elle attira l'attention d'un jeune prince sur un cheval brun. Ah merde, il est brun. Ah, ok. Ben, on va le faire brun. Fait chier, on le verra moins.
J'ai bien fait de relire. Cet homme avait les yeux verts et les cheveux blonds, vêtu d'une tenue violette et d'une cape orange. Ok, alors, tenue violette. Waouh, cape orange. Cheval brun, cheveux blonds. Il entendit le chant et il dit « Où est-ce ? Faut-il absolument voir qui est-ce ?» raconte le prince. Donc voilà, hein, sans attendre, il galopa rapidement à toute allure en suivant cette voix qu'il entendit. Quand soudainement cette voix disparut, le jeune prince s'arrêta brusquement et attendit quelques secondes. « J'entends plus rien !» s'attriste le prince. Ok, donc tout le reste, j'ai pas besoin de le lire. On a la description. Du rouge et bleu? Où ça, du rouge et bleu? Je pensais pour le prince, eh ben non. C'est du violet et du orange. Mauvaise pioche. Cheval brun. Tenue violette. Et cap orange. Avec des cheveux blonds. Il y a un goût de chiotte ce prince au niveau vestimentaire. Hein, mais bon. On va pas discuter les goûts et les couleurs. Ouais, c'est ça, violet, normal quoi. Cap orange, ouais. C'est des gouttes blondes, ça, c'est pour ça. En train de parler du blond des sketchs de Gad Elmaleh là, c'est pour ça.
Ouais, mais non. Bah, tu sais, une belle robe marron couleur de terre, c'est original aussi, hein. Surtout en forêt. Pour la faire ressortir de la forêt, qu'elle se détache bien, c'est pas la meilleure couleur, mais bon. C'est pour ça que j'étais parti pour le faire blanc, le cheval, parce que je me suis dit comme ça, il se détachera bien du fond. Mais non, lui aussi, il est marron. Alors un blond, nous avons besoin de jaune. On a besoin de orange aussi.
Ouais, c'est la tenue violette qui m'inspire. Un phénix, ben c'est la, ce serait le, comment, l'emblème de la famille Torrells Hero, whatever it means. C'est l'emblème de la famille royale, j'imagine. Pourquoi un phénix, ça, j'en sais rien. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu demandes à l'auteur.
16h, déjà. Ok. On sent bien que ce prince est à sa place dans la forêt. À 6h30, je me dis, je peux faire plein de choses. Et on arrive au soir et on a un claquement de doigts. Oui, ben c'est le problème quand on me regarde streamer toute la journée, j'ai envie de dire. Bon, après, techniquement, on n'est pas encore le soir, hein, il est 16h, mais bon, on est quand même bien. L'après-midi est bien passé, quoi. Ouais, dans une demi-heure, il fait nuit, c'est clair, mais il fait déjà commence sombre déjà. C'est affolant. Dès que le temps est merdique, il fait sombre tout de suite, quoi.
Une technique pour apprendre. Alors, bah là, c'est du coloriage, hein. En vrai, si tu dépasses quand tu colories, je sais pas quoi te dire, hein. Essaye d'aller d'éviter de faire comme ça quand tu es près de la ligne. Tu essayes plutôt d'aller par là et au pire, tu mets du masking tape, hein, si tu arrives pas. Faut essayer d'en prendre un qui va pas déchirer ta page. T'en prends un qui colle mais qui se décolle bien. Et qui laisse pas de traces de. Trace de colle sur la feuille. Après, c'est de l'entraînement. Hein. Du masking tape, du scotch de marquage. Des fois, je me rends pas compte que je le dis en anglais. Ouais, c'est ça. Comme les peintres. Comme ceux qui font de l'aquarelle, hein, tu fais la même chose. T'enseignes le scotch qu'ils utilisent pour mettre autour de leur truc là, parce qu'ils peuvent pas trop s'en passer. Et puis tu en mets quand tu démarres ton dessin, et puis tu l'enlèves tranquillou quand t'as fini, et puis voilà. Ça abîme le papier. Bah, il faut pas le coller trop fort, je pense. Il faut juste le poser délicatement. Ça arrache. Bah, c'est pas le bon scotch alors. Faut trouver un scotch qui n'arrache pas. Trouver un scotch pas trop costaud. Bon, on arrive à l'heure où il faut que j'arrête. On n'aura pas eu Raphaël de la journée. La palisse n'aurait pas dit mieux. Ah. C'est qui la palisse? Je connais pas. Donc on a notre prince qui a commencé à intervenir. Haut en couleur, n'est-ce pas? Ouais, mais il faut que j'ai des bricoles à faire avant d'aller chercher Alduin. Après, j'aurai plus le temps. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, ce soir, je reviens après la réunion. Donc j'espère pas trop tard. Enfin, je vais me casser avant la réunion, parce que avant la fin, parce qu'ils finissent tard. Mais moi, je voudrais continuer à avancer là. Je voudrais bien. La forêt derrière lui, comme ça jeudi je termine tranquille ou quoi. Non, on est jeudi. Putain, on est jeudi, oui. Donc, je pourrais pas finir cette semaine, ou alors faut que je finisse dimanche soir. On verra. Écoute, on verra, d'accord. En tout cas, normalement, la semaine prochaine, il est terminé. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, Manu. On était en tête-à-tête tout l'après-midi. C'est pas beau, ça?
Et je te dis à ce soir, peut-être, normalement. Normalement, je suis là ce soir. Ça roule, on fait comme ça. Petit sourire pour la photo. Et à tout à l'heure. Salut!